Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici la première édition de notre nouveau magazine sportif Actua Sport Magazine qui vous présentera chaque semaine les plus grands événements sportifs internationaux. Cette semaine, notre équipe a suivi pour vous les grandes régates de San Remo qui sont dans le domaine des sports nautiques, un peu ce que sont les Olympiades d'hiver dans le domaine du ski alpin. L'épreuve que vous allez voir est réservée aux dériveurs de la catégorie la plus accessible aux sportifs ne disposant pas de moyens financiers exceptionnels. C'est dire l'importance que cette course présente pour les constructeurs et les marchés énormes que leur ouvre le trophée de San Remo. Cette manifestation a attiré sur la Riviera italienne l'élite des yachtmen du monde entier qui suivent l'évolution des événements avec l'intérêt que l'on devine. Parmi les Français engagés dans la course, il y a une embarcation qui suscite la curiosité générale, la voici. Et comment le petit baigneur, c'est le nom de cette embarcation, va-t-il se comporter face à la coalition étrangère? Voilà la question. Pour le moment, nos affaires, il faut bien l'avouer, ne vont pas très bien. Le petit baigneur se fait doubler devant nous. Mais l'ère des surcouf n'est pas révolue en France et il y a encore de beaux jours en perspective pour la marine à voile. Le petit baigneur a senti le danger, il vient de hisser son spinnaker, il a pris le vent, il a pris le bon vent, il a pris, me semble-t-il, le vent de la victoire. Et nous le voyons en ce moment fendre les flots joyeusement. Nous le verrons, nous l'espérons dans un instant, fendre la ligne d'arrivée en vainqueur. Cette ligne d'arrivée se rapproche insensiblement, nous y voici, ça y est, ce sont les scènes traditionnelles, les photographes s'emparent des vainqueurs et en présence de la très gracieuse Miss Italie, le président du jury international de la voile va annoncer... L'imbarcazione della regata è stato attribuito all'unanimità. Nous avons tenu à faire connaître nous-mêmes l'heureuse nouvelle aux constructeurs que nous avons surpris en pleine activité. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous voulez, vous? Après nous avoir fort aimablement reçu et présenté à sa charmante épouse, le grand industriel a bien voulu nous déclarer... C'est un secret, je ne vous dirai rien, voilà. Oui, il faut vous le dire maintenant sans plus tarder, Louis-Philippe Fourchaume, le constructeur du petit baigneur, c'est en réalité Louis de Funès. Mais vous savez, je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais tout petit, mais alors vous savez, tout petit, ma bonne grand-mère m'appelait... Son petit baigneur. Non. Son petit baigneur. Oh, quelle coïncidence. Oh, à votre voilà. Santé, la patronne. Et au petit baigneur. Et au petit baigneur. Le petit baigneur est un film irrésistiblement gay. Aux péripéties les plus surprenantes. Mais d'où Jésus, que s'est-il passé? Où vous verrez Robert Derry, Andrea Parisi, Colette Brossé. Oh, le poulailler. Franco Fabrizi, Michel Galabru, Jacques Legras. Et maintenant... On y va? Oui. Cramponnez-vous, hein? Cramponnez-vous bien, car s'il y a un record que le petit baigneur est assuré de battre... Le petit baigneur qui a gagné? C'est le record du rire. Le petit baigneur bat le record du monde du rire. Le petit baigneur, un film réalisé par Robert Derry.